Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici-et-maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abassi a reçu, sur l'antenne d'Ici et Maintenant, plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. france-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Oui, mes chers amis, alors ce soir j'ai le plaisir encore de recevoir une personnalité assez importante, un imam. Un imam pas comme les autres, un imam de progrès, de l'intelligence, un imam de tolérance, un imam de réforme. Celui qui était parmi les plus braves d'annoncer que nous devons réformer l'islam. Alors, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, Institut Montaigne, suite à les instructions de Emmanuel Macron, a publié un rapport par Mr. Hakim. Alors, ce rapport de l'islam de France, on peut le dire, là-dedans, il y a certains éléments assez intéressants, mais certains éléments peut-être critiquables par toutes les tendances politiques. Et non, il ne faut pas oublier une chose assez importante dans ce rapport, c'est de taxer tous les produits halal en France. Pour la première fois, Nathalie Morizet, elle a proposé ça ici, mettons, sur cette antenne, il y a déjà quelques années. Elle-même, elle a proposé comme quoi une taxe pour que le culte musulman en France, il devient indépendant, et pour le réformer. Alors ce soir, concernant cet rapport, concernant certains brouillons encore sur l'islam politique, j'ai le plaisir de recevoir Imam Hassan Chalgoum. Imam Hassan Chalgoum, il est président des associations d'imams de France. Moi, je vais rajouter imam de progrès, imam rationnel, imam qui réclame cette réforme dans l'islam de France, et imam de mosquée de Laurency. Imam Hassan, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, cher ami, très bien, et vous? Excellent, je suis ravi de vous avoir ce soir sur notre antenne, Imam Hassan. Alors, quoi de neuf, que pensez-vous au sujet de cet rapport qui a été publié par l'Institut Montaigne, cher Imam Hassan? J'ai eu peut-être un honneur ou un moment avec Hakim Al-Qaroui. On a eu aussi, vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a demandé plein d'imams, responsables associatifs, pour parler un peu en général. Avoir une conclusion qu'elle a fait. Mais réellement sur le terrain, non, on est loin. Le rapport lui-même, il parle d'une 30% presque des musulmans de France sont rigoristes ou dans la voie de radicalisation. Ça, c'est, je le partage 100%. Il parle aussi d'un salafisme qui se développait énormément dans les quartiers chez les jeunes, 40% presque chez les jeunes. Aussi la mouvance de frères musulmans, les US, qui ont 250 mosquées et associations.
que les vraies solutions, ça c'est le constat depuis même la période de Nicolas Sarkozy. On a fait, moi je l'ai fait, ça fait des années, 15 ans je parle, de cette radicalisation, de discours de haine qui a envoyé le net beaucoup chez les jeunes. Mais la vraie solution, pour moi, il manque. Il a proposé, par exemple, les taxes de viande halal. La taxe, personnellement, c'est facile de le dire, mais c'est impossible de l'appliquer. Pourquoi ? Parce qu'en général, la viande halal ou la boucherie ou l'abattoir et tout ça, c'est de privé. Quelle instance elle peut l'obliger d'avoir un taxe ? On ne peut pas comparer avec Napoléon quand il avait avec le consistoire, parce que le choucroute, c'est avec le consistoire. Et le consistoire, ça fait deux siècles. C'est plus la même mentalité, ni la même culture, ni la même vision. C'est pas la même période. Si vous prenez un boucher halal ou quel que soit le produit, comment vous pouvez taxer même les grosses sociétés? Même, je sais pas, Isla Delis, Halal ou d'autres, à qui on donne aussi ce taxe-là? Est-ce que l'État, elle peut gérer ça? Mais l'État, il est laïque. C'est un peu compliqué. Si vous le donnez dans une instance, une association ou une fondation pour verser ça, c'est un peu compliqué. Moi, je pense personnellement, il n'est pas facile. Parmi les choses, à part le rapport, que je pense l'État peut le faire, c'est stopper l'ingérence étrangère. Ça, c'est simple. C'est pas simple, mais il faut avoir une volonté politique. S'ils arrivent à parler aux Turcs, Algériens, aux Marocains ou à l'influence Qataris, Saoudiens, de dire stop votre ingérence, stop votre finance et tout ça, ça c'est parmi les choses qui peuvent stopper l'ingérence et qui va baisser les tensions en France, parce qu'il y a des tensions internes. C'est question de pouvoir, question qui règne plus, c'est pas l'islam soufi ou spirituel, c'est un islam plus d'ingérence et d'émorance. Que chacun il essaie de mettre plus de poids, plus de pouvoir et plus de manipulation contre ça. S'ils arrivent à faire ça, ça c'est la première. Deuxièmement, comment on peut libérer l'islam de France? Il faut avoir, mettre le paquet, les moyens pour la formation des imams. Le discours religieux, la référence théologique, ça c'est numéro un. Avant de parler même de taxes halal ou de parler de certaines choses, tant qu'on ne libère pas, tant que la voix à la mosquée sera une voix modérée, quel que soit imam ou conférencier, tant que aussi ces imams ne sont pas intégrés dans le statut d'imam français, ils pensent un islam humaniste, un islam qui s'adapte avec les valeurs de la République, qui prie pour la stabilité, pas pour la haine, et qui voit le non-musulman comme un être humain respectueux, qui partage la vie avec lui, qui partage plein de sens. Il ne le voit pas comme un infidèle, comme quelqu'un qui va aller à l'enfer, c'est un kafir, c'est un mortad, c'est un monafre. Tout ça, ce vocabulaire, toute cette vision, il faut qu'elle change. Ça, c'est le fond essentiel pour moi. Le fond numéro un, après stopper l'ingérence étrangère pour baisser les tensions en France, il faut trouver la solution pour la formation des imams, pour aussi une référence logique. Maintenant, quelle référence ils ont, la jeunesse? C'est le net, c'est Monsieur Google. Le net, en général, malheureusement, il y a beaucoup de sites qui sont financés par le wahhabisme, par les frères musulmans, celle de Qatar, par la Turquie, qui poisonnent cette jeunesse, qui l'emportent le conflit israélo-palestinien. Il y a plein de conflits. Ça fait que c'est plus un islam spirituel. C'est plus une vision de quelqu'un qui veut faire des prières et d'adoration et d'amour et de partage et de charité. Non, plus de haine, plus de complications, plus politique. Ça, on a besoin de cette référence. On a besoin d'une vision d'un islam indépendant, d'une minorité, on appelle Aqaliyat, qui s'adapte en France et en Europe, et qui se protège, et qui fait aussi les besoins spirituels de ces jeunes, ou ces familles, ou ces musulmans, qui cherchent comment prier, comment ma relation va améliorer avec Dieu, comment le bien il sera plus fort que le mal, comment je peux nettoyer mon cœur, comment je peux enlever l'orgueil, la jalousie, la haine, comment je peux être quelqu'un généreux, quelqu'un qui a un bon comportement, comment je peux enlever la violence. C'est ça le besoin spirituel, comme quelle que soit la religion monothéiste, quel que soit christianisme ou juif, ou d'autres religions. Maintenant, le combat il est long. Toute chaque concubinage d'un président, quel que soit Nicolas Sarkozy, dès qu'il a commencé ministre de l'Intérieur, après président, il a fait le chantier. Mais malheureusement, après, il a donné la clé à l'islam de France, à des fanatiques de l'UF et des frères musulmans.
ça veut dire les loups qu'ils ont mangé les brebis. Après, dès que la continent a commencé de Manuel Valls, de Mac Hollande, ministre de l'Intérieur, il était Valls, il a commencé aussi le chantier, mais il n'y a pas de résultat. Maintenant, il y a le continent de M. Macron. Il a sa volonté, c'est normal, d'organiser l'islam de France, surtout avec le radicalisme, les attentats, la peur de l'islam, l'islamisme ici en Europe. Je trouve que la démarche, il ne faut pas qu'elle soit la même démarche. Il faut apprendre des erreurs des autres. Il faut comprendre que l'enjeu, et c'est un enjeu international politique, algérien, marocain, turc, wahhabisme, saoudien, et frères musulmans, qataris, il faut que l'État ait une certaine souveraineté de stopper l'ingérence. Et la deuxième chose, de donner tous les moyens d'avoir une référence, d'avoir toute cette force spirituelle à des personnes, qu'il y en a beaucoup en France, spirituelles. Il y a des imams religieux que je connais très bien. Ce sont une vision humaniste, une vision éclairée, une vision d'un islam de lumière, d'amour, de partage, de respect, qui respecte la loi de la République et aussi qui respecte la vie humaine. Excellent, l'imam Hassan. Alors, je sais que vous étiez consulté concernant cette groupe de recherche. Et ce que je peux constater, imam Hassan, de vos idées, on ne voit pas grand-chose dans ce rapport, d'un côté. Et est-ce que vous pouvez nous donner les éléments le plus importants dans ce rapport qui est gênant pour vous? Par exemple, on vient de voir parmi, il y a une meilleure formation des enseignements sur la question de la laïcité, bien sûr, d'un côté. De l'autre côté, renforcer la langue arabe dans l'éducation. Actuellement, la langue arabe n'est pas absente. Quelqu'un, il veut apprendre la langue arabe de lycée jusqu'à l'université, il le peut, mais il n'y a pas trop de demandes, n'est-ce pas? Surtout que la langue fosha, la langue littéraire arabe, ne sert pas le peuple arabe, puisque chaque pays il a son dialecte spécial, imam Hassan. Que pensez-vous à ce sujet? Vous savez, je l'ai parlé, moi, de la langue arabe. Moi, mon idée, c'était de faire sortir la langue arabe du Coran, de mosquée. Parce qu'il y a beaucoup de parents, ils veulent que leurs enfants, ils apprennent l'arabe. Parce qu'ils sont nés en France. Et il y a des parents, qui, même deuxième génération, ils sont nés ici. Comme ils trouvent la difficulté quand ils le sont au bled, ou même les difficultés au sein de la famille, avec leur tante et tout ça, ça fait qu'un échec un peu au niveau de l'éducation, soi-disant. Qui sont devenus, entre parenthèses, francisés, mais il n'y a plus de langue arabe et tout ça. Ça fait que ses parents, ils ont une bonne intention, ils ne pratiquent pas des fois, ils ramènent leurs enfants le week-end, mais surtout sont concentrés beaucoup dans les mosquées. L'idée de que s'il y a un besoin des parents, s'il y a un besoin d'un citoyen, quel que soit, il veut apprendre l'arabe, dans ce cas, il faut enseigner l'arabe dans des structures qu'on le contrôle et qu'on le gère. Et qu'elle devient apprendre une langue sans l'influence de la religion. Le problème ici aussi, qu'il n'a pas mentionné énormément dans le rapport, le développement des écoles privées islamiques. Ça, c'est le danger. Ça, c'est... Il y en a qui ont le contrôle. Il y en a peut-être 10 à 20% qui ont une vision éclairée. Mais le reste, malheureusement, c'est de business et aussi de la manipulation, de la gangrène, de la récupération fanatiques de salafistes, surtout les frères musulmans. Ça aussi, le rôle de l'État de protéger ces enfants et ces jeunes, et ce sont les enfants de la République. Quand vous trouvez dans certaines écoles privées islamiques, à 4 ans, 6 ans, la petite, elle rentre avec un voile, ça, c'est pas normal. Ça se termine comment, après? Ça se termine avec des conséquences terribles. Et là, on demande pourquoi il y a un départ, pourquoi il y a un radicalisme en plus, pourquoi il y a 19 000 fiches S. Mais il y a un terrain favorable pour ça. Il y a des écoles qu'on ne contrôle pas, il y a des sites internet qu'on n'arrive pas à le fermer, 2300 sites francophones, 46 000 tweets par jour, il y a des prêcheurs de haine jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la fermeté qu'on a besoin. Le rapport, il est magnifique, en espérant que qu'il sera praticable, mais je pense presque à la moitié. Et le constat, c'est clair, depuis longtemps, on parle de la radicalisation, on parle aussi d'une jeunesse perdue, une jeunesse qu'elle va vers, malheureusement,
plus la vision des salafistes, des frères musulmans et takfiri, qu'une vision soufie et spirituelle. Alors, dans cette rapport, Imam Hassan, Institut Montaigne, il demande que l'Europe doit davantage, en coopération avec le Maghreb et les pays du Golfe Persique, ça à la rencontre de vos idées, c'est-à-dire ingérence que vous en parlez, de l'autre côté, l'Institut, et surtout cette rapport de Hakim, il propose de se rapprocher de plus aux pays arabes, peut-être pour les questions de l'argent encore, Imam Hassan. Vous savez, c'est la contradiction pour moi. On a notre difficulté. Quand je parle en général d'un islam de France, il y en a beaucoup, ils n'aiment pas ce vocabulaire. C'est vrai, Nicolas Sarkozy l'a dit. Moi, je l'ai l'un de mes livres 2008, c'est « Pour un islam de France ». Qu'est-ce que ça veut dire? L'islam est universel, il s'adapte avec sa culture. L'islam en Iran, c'est pas comme l'islam en Tunisie. L'islam en Tunisie, c'est pas comme au Soudan. C'est l'islam au Maroc, c'est pas comme au Pakistan. Il s'adapte, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs visions, et ça, c'est, je trouve, sa richesse. Quel que soit sunni, chiite, quelles que soient toutes les divisions, toutes les écoles, toutes les madhab, toutes les... voilà, les firaq. Et l'islam, quand, en France, vous trouvez une mosquée algérienne, une mosquée tunisienne, vous trouvez une mosquée marocaine, tunisienne, c'est rare, il n'y a pas autant. Vous trouvez une mosquée africaine, une mosquée financée par les frères musulmans, l'UF et Qatar, une mosquée salaf et tout ça. Quand on parle d'un islam de France, ça veut dire un islam sous le tutelle de tous les Français, toutes les confessions musulmanes, ils sont ensemble, la première chose. Deuxième chose, qu'on stoppe cette ingérence. Vous rentrez dans certaines mosquées, vous trouvez des photos des rois et des présidents du pays, comme Erdogan et d'autres. Ça ne fait pas une réflexion que l'Europe, quand il y avait les élections en Turquie, le peuple turc, ils ont voté 52% pour Erdogan, et en Europe 68%, en France et en Allemagne et en Belgique. L'islam politique, il est plus fort. Pourquoi? Parce que la machine religieuse, les lieux de prière, tous ces moyens, ils ont été utilisés politiquement pour vouloir qu'il gagne le chef religieux de Erdogan. Et là, stopper l'ingérence. Le rapport, normalement, de dire que l'Europe se réveille, que l'Europe a sa souveraineté de dire stop à l'ingérence. Il peut traiter comment? Il peut traiter plein de dossiers sociaux, relationnels, contrôle, tout ça. Mais la religion, c'est la souveraineté de ces États. La religion, c'est les affaires internes de ces citoyens et leurs États en Europe, en Autriche. Ils ont expulsé presque 60 imams. Ça devient un sujet qui dérange l'Europe. Ça devient un sujet qui anime les voix d'extrême droite et les populismes qui montent ailleurs, partout et qui menacent. Dans ce cas-là, la solution, il faut éteindre ce feu-là. La solution, il faut couper le cordon de finance, de la manipulation. Et aussi, parmi les solutions, on a des prêcheurs de haine qui viennent de l'Arabie Saoudite, des wahhabistes. Et avant, il vient de l'Égypte et d'ailleurs. Il faut maintenant contrôler. C'est pas n'importe qui vient manipuler une jeunesse naïve qui connaissent rien de la religion, les pauvres, et qui tombe devant un gourou, un manipulateur qui le manipule au nom de la religion, au nom du bien-être, au nom de Gaza, au nom de Palestine et tout ça. Et à la fin, on paye les conséquences énormes qu'on le paye aujourd'hui. Ça, c'est pas normalement dans leur rapport. Ça, c'est normalement, ça, c'est la souveraineté. Il faut se préserver et se protéger l'avenir. Très intéressant, moi, mes chers amis, je vous dis, j'étais témoin que les propos, les idées d'Imam Hassan Chalkoum étaient tellement progressive et contre l'instance islamique installée en France depuis Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, qu'une fois, une soirée, Manuel Valls, il est auteur de prendre la position contre les idées d'Imam Hassan, présent ici avec nous ce soir, surtout quand il parlait de l'indépendance des mosquées et d'une union des musulmans, comme il vient de préciser, il y a plusieurs mosquées, plusieurs tendances, plusieurs pays, etc. Surtout dans cette
rapport, nous pouvons constater que l'Institut Montaigne, il considère meilleur moyen, selon lui, selon l'Institut, de sortir des logiques et de financement de l'islam depuis l'étranger, comme il vient de dire Imam Hassan, et des discours les plus radicaux comme celle des porte-parole d'Arabie Saoudite en France, d'installer cet islam de France. C'est-à-dire, ce que Imam Hassan il vient de dire, comme quoi il y en a un islam parmi les autres, deux islams parmi les autres, qui sont plus radicales et plus intégristes et plus dangereux, ça, ce qu'il vient de dire, c'est l'idée de cet institut également, qui considère le financement d'Arabie Saoudite, surtout, et les autres, doivent être coupés. Mais quand vous contestez, Imam Hassan, le taxe sur les produits halal, n'oubliez pas que de l'autre côté, cet rapport, il demande également de réorganisation de pèlerinage, et surtout, la donne aussi, il y aura des taxes et des contrôles financiers et les associations ou l'association qui va être créée ou l'islam de France, le nouveau islam de France de Macron aurait la main libre et plus de finances, puisque question de pèlerinage aussi, c'est très important. Chaque année, il y a plusieurs milliards de dollars qui entrent en Arabie Saoudite, et bien sûr, de la France aussi, quelques millions d'euros qui va aller vers l'Arabie Saoudite. Cette réorganisation par le culte ministre, le culte français, vous pensez que ça peut aider le financement de l'islam de France, Imam Hassan? Pour le pèlerinage, on a à peu près presque 150 000 personnes qui vont aller chaque année entre le Umra, le petit Hajj, le petit pèlerinage et le Hajj lui-même. Le grand Hajj, ça veut dire le Hajj al-Akbar, il y a presque 20 000 personnes. Il y a de l'argent, oui, mais quand on réfléchit aussi de taxer ça, par exemple, par rapport à chaque pèlerin, il y a 100 euros à payer ou 50 euros, une chose comme ça qui devait être prendre. Mais avant de parler à taxer ça, il faut réfléchir comment organiser. Parce que l'argent de pèlerinage, beaucoup, il y a des groupes salafistes, frères musulmans, des sectes qui organisent ça et qui gagnent de l'argent énormément. Il y a de l'argent liquide qui tourne. Et qui vont aller à la Mecque sans encadrement. Et après, on demande pourquoi il y a plus en plus les jeunes. Ils deviennent rigoristes. Ils ont une vision très ferme. Ils ont une vision wahhabiste. Mais c'est normal. Si on laisse partir plus que 100 000 personnes, la majorité, beaucoup de jeunes et tout ça, ils vont à la Mecque, ils me disent, sans le contrôle, sans l'encadrement, sans un imam qui s'occupe de eux, qui leur donne des réponses à des questions. Là, le retour, ça devient aussi, pendant un mois, un retour des gens enfermés et enfermés d'une manière très dangereuse. Qu'est-ce qu'on peut avoir de l'argent? Taxer le pèlerinage, il faut l'organiser, il faut l'encadrer, créer une instance qu'elle organise le pèlerinage avec en accord avec l'Arabie Saoudite, parce que c'est l'Arabie Saoudite qu'elle donne les visas, en accord avec l'ambassade. Mais en même temps, est-ce que l'État, elle peut donner une organisation que tout le monde y passe par ça? Ça, c'est très compliqué. Deuxièmement, au niveau de l'argent, il faut que l'islam de France ou la formation des imams, elle a un peu de moyens indépendants. Mais il y a d'autres idées. Si, pourquoi l'État ne crée pas une fondation ou une association ou une organisation qu'elle peut avoir l'argent? Quand il y a des donateurs qui veulent donner de Maroc ou je ne sais pas quel billet, ils passent par celle de fondation qui est gérée par l'État, par un commissaire de compte. Et après, même les musulmans partout, quel que soit à Drancy, chez moi ou ailleurs, ils veulent donner un don à la mosquée, c'est plus l'argent liquide qu'ils tournent. Il faut qu'ils envoient un chèque à 100 euros à cette fondation, ça compte, ou 10 euros, et elle arrive à cette fondation. Ça fait qu'il n'y a plus de tension dans les mosquées par rapport à les liquidités de l'argent. Et aussi, tout ça passe par cette fondation, et cette fondation il sera contrôlée. Mais je ne vous cache pas, c'est très difficile, parce que il y a une vraie division en France, et en même temps, l'ambition politique, quelle que soit de droite ou de gauche, c'est très compliqué. Chaque maire essaie de défendre ses projets,
chaque camp politique essaie de défendre ses clientèles parce que c'est le clientisme aussi électoral, et ça devient très compliqué. Si l'Arabie saoudite elle fait pression sur certains sujets, je ne pense pas qu'ils vont aller loin à l'État. Et aussi, si Qatar elle essaye de jouer contre tel projet, il faut vraiment avoir une volonté et une fermeté vis-à-vis de l'État. Imam Hassan, vous avez tout à fait raison, puisque c'est vrai, comme c'était publié, comme on le sait en plus, c'est n'importe quelle association, groupe, agence de voyage qui va envoyer des personnes vers la Mecque par n'importe quel moyen, vous voyez, dans n'importe quelle saison, doit être agréé par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite doit signer et accorder chaque agence de voyage, chaque association qui va ramener les gens en Arabie Saoudite. Et bien sûr, comme vous venez de dire, vous avez tout à fait raison, c'est déjà noté dans le monde entier, une des sources pour planter l'idée d'Arabie Saoudite parmi les musulmans, surtout parmi les associations qui gèrent les musulmans de n'importe quel pays, c'est cette biais de pèlerinage et agrément de ramener des voyageurs vers l'Arabie Saoudite, puisque même l'Arabie Saoudite n'a pas besoin de temps en temps de certains millions de dollars qu'on va donner pour y aller, et préfère de dispatcher comme ça. C'est pour ça que la plupart des fois, on ne peut pas trouver comment ils financent leur groupe dans le monde, à part de plusieurs banques qui existent et plusieurs sources de financement. Il y en a sept réseaux que vous venez de citer, Imam Hassan. Imam Hassan, j'admire votre courage et je vous souhaite bonne chance puisque vous présidez les imams progressifs de la France. Moi, j'étais témoin, je te connais, je vous connais, j'étais témoin que vous avez défendu cet islam moderne, islam qui ne va pas gêner les autres, islam qui va être indépendant de tous les pays musulmans du monde. J'étais témoin quand vous défendiez ça partout, surtout devant les politiques, et je vous félicite mon cher ami, et je vous souhaite bonne chance, et on va rester encore ensemble pour dispatcher cette voie de la paix que vous l'avez, Imam Hassan. Merci. Laurent Sy va être ravi d'avoir un imam comme vous, et je vous souhaite bonne chance. Merci, chocolat. Merci Imam Hassan, bonsoir. Vous avez dernière chose à dire, Imam Hassan, avant de partir, dernier message? Non, il est parti. Imam Hassan, il est parti, mes chers amis. Imam de mosquée de Laurency. Laurency, c'est le travail numéro un. Et Laurency, espérons que tous les plusieurs centaines de mosquées qui existent en France, que chaque mosquée, il y a des groupements, des pays, des influences dans tous ces mosquées-là, deviennent un jour progressives, unies, et unies dans la République. C'est ça qui est très important, être unis dans la République. Mes chers amis, vous avez la parole. Est-ce que vous avez, vous, ce rapport de Mr. Hakim Al-Gharawi? Al-Andi Al-Gharawi, c'est Al-Gharawi. Si vous avez, vous, ce rapport, que pensez-vous? Il ne faut pas oublier. Vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20. Mes chers amis, mais il ne faut pas oublier, après la Première et Deuxième Guerre mondiale, l'économie, les industriels, les capitalistes, comment vous voulez les nommer, les finances, les banquiers, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, mes chers amis. Il manquait main-d'œuvre en Europe, et surtout en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené ces braves gens arabophones, surtout de Nord d'Afrique, en France, pour travailler. Même à l'époque, quand on voulait faire le métro, depuis, on a ramené ces gens-là ici pour faire le travail. Parce qu'on avait besoin de ces gens-là. Alors, après des années, cette question a élargi aujourd'hui à plusieurs millions de personnes. Et
les politiques, de temps en temps, ils essayent de profiter, de cette situation, de cette religion, de cette population, chaque fois, sans faire quelque chose d'important et décisif. Cette fois-ci, j'espère que Macron il va faire quelque chose quand même, mais certains points dans ce rapport ne collent pas avec moi et mes idées. J'étais consulté, j'avais proposé également à Macron le sujet tabou sur l'islam politique, qui était favorable, mais puisque c'est le comité, c'est l'Institut Montaigne qui a fait ce travail-là, il n'est pas comme il faut. C'est-à-dire la laïcité doit être plus fort là-dedans, et surtout, une question qui est assez importante, j'ai dit avec Imam Hassan, je vais le répéter ici. L'apprentissage de la langue arabe n'était pas interdit en France, pourtant c'était encouragé. Il y a énormément d'associations, par exemple ce week-end passé, ça tombe bien, week-end passé, 8 et 9 septembre, il y avait quoi? Il y avait fait des associations, partout vous voyez dans toutes les villes, il y avait des associations réunies quelque part. Je vous assure, plusieurs associations pour apprendre la langue arabe, j'ai vu parmi les estantes qui existaient partout, dans tout l'arrondissement et en banlieue parisienne, etc. Mais c'est le peuple arabe au fond en France, où les enfants, la génération arabe-français, ou même, pour la plupart des fois, ils n'ont pas envie d'apprendre la langue, puisque la langue littéraire qu'on apprend, c'est tout à fait différent avec la langue que leurs parents ils parlent, s'ils sont libanais, syriens, saoudiens, yéménites, marocains, tunisiens, algériens. Le dialecte, c'est différent. C'est-à-dire, un Marocain, s'il parle arabe, darje, on dit, darje, est rapide. Un Tunisien, il va mal de le comprendre. Un Saoudien, un Libanais, mal. Mais par contre, dialecte syrien et libanais, c'est encore plus joli que les Saoudiens. C'est très rythmique, très artistique. Mais apprendre la langue arabe, ce n'est pas un problème que dans ce rapport, il insiste d'élargir cet apprentissage, cette éducation encore plus de ce qu'il y en a actuellement. Parce qu'actuellement, n'importe qui va apprendre la langue arabe à l'université, à l'école, il peut le choisir, il va l'apprendre. Qu'en pensez-vous, mes chers amis? 08 92 23 95 20, n'oubliez pas qu'hier, c'était le 9 septembre. 17 ans après l'assassinat d'un brave commandant, Farmandé, capitaine et commandant, Ahmad Shah Massoud, était assassiné chez lui par les intégristes et par l'argent des pays arabo-musulmans. Par l'argent de pétrole, celui qui voulait installer la paix. Il voulait faire la paix avec son ennemi, Mullah Omar, Taliban et les autres. Il voulait faire la paix pour son pays. Dès qu'il a décidé de faire la paix, de faire une union, on l'a tué. Le 9 septembre, on va tuer le commandant Ahmad Shah Massoud. Et le 11 septembre, on va détruire les deux tours jumelles à New York. Et un autre monde, première année du 21e siècle va commencer. Ce que vous pouvez le constater, nouvel ordre mondial, mondialisation. Le colombe de la liberté, Ahmad Shah Massoud, est mort. Mais c'est vendredi, mes chers amis, vendredi 7 septembre, j'étais invité par les Afghans, par la génération d'Ahmad Shah Massoud.
Je t'ai invité. Dans une réunion, dans une soirée de la poésie. Mes chers amis, quand j'ai vu une centaine de braves garçons afghans qui aimaient la musique, qui aimaient la poésie, qui aimaient l'histoire, qui aimaient leur langue, mes chers amis, j'étais étonné. J'étais étonné. Les enfants d'Ahmad Shah Massoud, les militants, les milices, les fidèles d'Ahmad Shah Massoud. J'ai vu plusieurs Ahmad Shah Massoud vivants. Vendredi, j'étais à Villejuif, parmi ces braves gens, et j'étais très content. Parce qu'Ahmad Shah Massoud, son espoir, c'était de créer un autre monde. Et il a créé. Vous voyez, actuellement, la plupart des fois, quand vous voyez un jeune, il est en train de fumer, en train de boire. Boire, ce n'est pas un crime. Moi, je bois, mais je ne fume plus. Mais je ne bois pas beaucoup, hein. Non. Ce que Avicenne, il a autorisé, le grand médecin. Alors, j'étais 5 heures avec ces milices, la jeunesse, les héritiers d'Ahmad Shah Massoud. J'ai pas vu une personne qui va sortir pour fumer une cigarette ou qui va boire. Ils étaient assis en train d'écouter la musique, les poèmes de Hafez, Omar Khayyam, Moulavi, de Sohrab, les jeunes gens, les musiciens comme Namdari. Ça, c'était très intéressant. Parmi, il y avait un invité de prestige, un ex-responsable du Parti Socialiste français, d'origine afghane, notre ami maître Karim Pakzad. Karim Pakzad, quand il a parlé, certains éléments que j'ai pris, c'était très intéressant. Il a dit à l'époque, puisqu'il est socialiste, il est parmi les dirigeants socialistes, il était pendant des années dans le comité central, secrétariat du Parti Socialiste Français. Il disait à l'époque, on disait dans les années 80, on disait aux Américains, pourquoi pas, vous ne donnez pas beaucoup de moyens aux gens laïcs, afghans, pour prendre place dans le pouvoir. Il disait, écoute, le peuple, quand on parle au nom de l'islam, ils viennent avec la tête. Et c'est ça qu'on a besoin. Et malheureusement, comme vous pouvez constater, Pakzad, il a confirmé que les Américains, comme tous les autres pouvoirs politiques dans le monde, ils profitent de l'imbécilité des gens qui deviennent croyants mais aveugles, croyants mais imitateurs, croyants mais sans cerveau à réfléchir, à être un Ahmad Shah Massoud, ne pas être un Mullah Omar et ses fidèles. Restez avec nous, mes chers amis, et vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, radio ici maintenant, 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM.
sur Internet, icietmaintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abbassi a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-6opinion.info. France-6opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Oui, mes chers amis, vos questions aussi bien venues, si vous avez des questions, après l'islam de France et le rapport de l'Institut Montaigne, et surtout ce qu'a proposé Hakim Al-Gharvi au président Macron, il aurait beaucoup de débats, beaucoup de changements, beaucoup de discours à ce sujet. Ça ne sera pas le texte définitif, ça ne serait pas l'organisation définitive de l'islam de France. Pour ça, si vous ici, si vous pensez que vous avez des idées, directement vous pouvez envoyer pour Macron à l'Élysée, 36. 36, c'est avenue des Champs-Élysées. Président Macron, envoyez vos propositions pour que l'islam laïque, l'islam de progrès pour être place dans la société et surtout qu'il ne soit pas gêné. La réforme dans l'islam, c'est avant tout. Si on n'a pas réformé l'islam, toujours va rester comme vous le voyez. Et les gens qui ont le courage de dire ça sont très très peu. Et comme Imam Hassan Charkoum qui nous a dit tout à l'heure, et avant aussi l'avait dit, et moi j'étais témoin plusieurs fois devant le ministre, premier ministre, devant des personnalités, même devant Sarkozy. Et il parlait avec un courage, comme quoi il faut unir et il faut couper l'ingérence étrangère sur l'islam de France, puisque chaque mosquée est financée par n'importe quel pays arabe ou musulman, il y a influence dedans et il ne faut pas l'oublier. À l'époque, c'était au Havre, je crois, quand on a demandé une minute de silence pour le crime qu'on avait fait contre Charlie Hebdo. Et il y avait certains qui ont refusé, qui ont insisté, même le professeur. Cette réforme de l'islam, avant tout, doit prendre la place. David Abbassi a proposé ça, quelques sujets tabous dans l'islam politique. Quelques sujets tabous sur l'islam politique. C'est mon dernier livre en français. Macron, monsieur, il a lu ce livre. Après l'islam de France que je l'avais proposé à l'époque, c'est quelques sujets tabous. Il faut connaître les sujets tabous et pour créer l'islam de France et pour créer cette réforme dans l'islam, il faut sortir ça. C'est au nom de l'islam qu'ils ont tué Ahmad Shah Massoud. C'était des islamistes. C'est au nom de l'islam qui tous les jours ils sont en train de tuer et massacrer les gens partout dans le monde. Vous allez voir, en attendant que vous allez vous préparer pour poser vos questions, puisque c'est la 18e année de la disparition de Ahmad Shah Massoud, qui commence à partir de ce soir, à partir de ce matin, nous sommes le 10, c'est le 9.
septembre que les terroristes islamistes, ils sont allés en Afghanistan, Panjshir. Ils ont assassiné un brave, un Che Guevara. Un Che Guevara, un héros. Mois d'avril, il était ici. Et il est rentré dans son pays avec l'espoir qu'il va installer la paix parmi tous les mouvements. Mais puisque les mouvements étaient des mercenaires, des étrangers, des mercenaires des pays arabo-musulmans, pétrodollars, sans aucun doute, ils n'ont pas voulu cette union. Alors, pour faire la merde, des bordels dans le monde, ils tuent Ahmad Shah Massoud pour pouvoir ramener la guerre en Afghanistan et ils détruisent les Turcs jumelles, etc., etc. Alors, mes chers amis, hier, comme je vous avais déjà informé, le 9 septembre, il y avait un rassemblement au Trocadéro au nom d'Ahmad Shah Massoud, à la souvenir de cet héros de notre siècle. Ah, il est parti juste première année de notre siècle, 21e siècle. Il n'a pas pu rester voir ce siècle. Alors, Ahmad Shah Farid est avec nous ce soir, mes chers amis. Bonsoir Ahmad Shah Farid, comment allez-vous? Très bien, bonsoir à vous et à votre ami, à votre proche, tout ce que nous écoute. Merci. Alors, hier, déjà, votre soirée de 7 septembre était très historique. Et je vous remercie. C'était bien organisé, Farid. Et de l'autre côté, hier, vous étiez au Trocadéro pour commémorer le souvenir d'Ahmad Shah Massoud. J'aimerais bien de nous donner un rapport concernant cette cérémonie d'hier au Trocadéro, Monsieur Ahmad Shah Massoud, qui n'est parmi nous, mais nous avons avec nous Ahmad Shah Farid, qui va parler au nom d'Ahmad Shah Massoud. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour votre présence à notre soirée de la poésie. Vous savez que la soirée de la poésie, c'est un genre de la tradition dans notre empire ancien perse et dans les territoires actuel de l'Afghanistan, en Iran, Pakistan, même quelque part en Iran. Donc le 7, comme vous vous avez dit, bien sûr, nous avions la soirée de la poésie. C'est une soirée qui était bien passée. J'étais parmi des amis et j'ai vu plein des amis après très longtemps. Et vous, que vous nous avez donné une des grandes fiertés pour votre présence dans notre soirée, M. Pagzat aussi, il y avait d'autres personnes. Lendemain, nous avions le 8, le match de foot entre les deux, équipes. Une des équipes sont venues de la part de l'Allemagne. Au nom d'Ahmad Shah Massoud, c'est une équipe afghan-allemand qu'ils sont depuis quelques années. Et le deuxième, le match d'Azadi, c'est un match très récent qui s'apparaît ici à Paris. Il y a des joueurs français de l'Afghanistan, il y a des Iraniennes également. Le 9, comme vous avez dit hier, nous avions le grand rassemblement devant le Tour Eiffel ou à la place de Trocadéro. D'après les statistiques de mes amis, de mes collègues, il y avait au moins 700 personnes de tous les Europes, des États-Unis. Monsieur Ayar, comme vous le connaissez, est un des très journaliste de l'Afghanistan aux États-Unis. Et puis le frère aîné du commandant Massoud, M. Yahya Massoud, était avec nous, qui est venu de Suisse. Et puis il y a eu trois figures très effectives de l'ethnie de notre cher frère Hazara de Moscou. Et il y avait eu des figures de la
organisations asiatiques de l'Allemagne, de Norvège, de Danemark, de Londres, de Pays-Bas et de plusieurs autres pays qui sont venus, qui étaient avec nous. Le but, l'objectif d'hier, comme on l'avait dit l'autre jour dans la première interview que nous avions, c'était la lutte contre les talibans et le talibanisme. Nous avons discuté avec les gens et nous avons partagé notre idée et nous avons encore une fois renouvelé notre engagement avec le peuple français et avec tous qui sont victimes de la part de l'extrémisme islamiste ou de la part du fondamentalisme islamiste ou de la part des talibanistes que nous sommes toujours dans la guerre en Afghanistan. Bravo, bravo. Alors, Ahmad Shah Farid, 17 ans après la disparition d'Ahmad Shah Massoud et l'installation de la République après le Taliban, le bilan et l'héritage politique et culturel d'Ahmad Shah Massoud, où est-ce qu'on est? Après l'assassinat de notre grand homme, Ahmad Shah Massoud, vous voyez que deux jours après, nous avons l'attentat à New York, et puis il y a les soldats américains. Ensuite, la grande réunion, ou la grande session, on peut dire, à Bonn, à Berlin, et dans lequel il y a des délégations des États-Unis, de l'Afghanistan. Et puis nous avons un gouvernement qui se forme par soutien des États-Unis en Afghanistan. Le gouvernement qui se forme après l'assassinat du commandant Massoud est un gouvernement pro-pashtouniste, c'est un gouvernement d'un mélange de droite, de gauche, de talibans, d'islamistes, d'extrémistes, de modérés. Dans ce gouvernement, l'héritage du commandant Massoud, la culture du commandant Massoud, le but pour lequel le commandant Massoud a combattu pendant très longtemps, s'est disparu. Ça, c'est définition très claire, au moins de ma part, de la part de mes collègues, nous étions toujours ensemble dans les médias en Afghanistan. Et deuxième raison, pourquoi nous n'avons pas concrètement un but très clair, ou bien dire pourquoi nous n'avons pas pu bien continuer le but de rester du commandant Massoud jusqu'à maintenant, pourtant que nous avons des moyens, pourtant que nous avons un régime, pourtant qu'il y a une démocratie, tout ce que Massoud voulait, c'est que les partisans après du commandant Massoud n'étaient vraiment pas comme le commandant Massoud. Ils n'avaient pas le même engagement que le commandant Massoud. Ils n'ont eu pas la même idée, la même croyance, le même but comme que le commandant Massoud a eu. Ah oui, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai, quand de grandes personnalités sont disparues, de temps en temps, les idées, les buts, et tout va partir. Alors actuellement, de toute façon, M. Ahmad Shah Farid, en Afghanistan, toujours les victimes, c'était de votre côté. C'est-à-dire, terrorisme, c'est vous qui vous étiez victime de terrorisme depuis toujours. Vous, quand je dis l'équipement, le groupement, les ethnies qui sont avec vous, qui vous êtes. Même si on peut constater que le fils d'Ahmad Shah Massoud, il va aller vers M. Rani, mais pourtant on peut constater que malheureusement cette haine et cette guerre des ethnies
ça reste et ça continue toujours en Afghanistan, et c'est vous qui vous êtes toujours victime. Pourquoi ça? Ah, c'est trop compliqué, mais ça dure un peu de temps pour au moins quand même expliquer. Tout d'abord, comme on dit toujours à mes collègues, la politique actuelle des États-Unis, c'est une politique pro-Angleterre. C'est-à-dire que la politique pro-Angleterre vers l'Afghanistan, c'est une politique pro-pashtuniste. Pour les Angleterres ou pour la politique ou politiciens anglaises, le favorise est que l'ethnie pashtun soit au pouvoir. Pourquoi pas les Tadjiks ou le reste? Parce que ils pensent que les Tadjiks, ou d'après notre étude ou information que nous avions, les Américains et les Anglais pensent que il y a l'Iran à côté de l'Afghanistan et puis le Tadjikistan et jusqu'à Sikyong. Il y a un chemin qui se forme, qu'il y a un point d'intérêt ou il y a un point en commun entre ces pays. C'est la langue de Perse et la culture en commun et la tradition en commun et la civilisation ancienne. Si le Tadjik ou les Perses en Afghanistan prennent le pouvoir, où ils ont peur que peut-être l'Empire perse reforme, ou peut-être qu'il y aura un gouvernement proche avec l'Iran et le Tadjikistan. Et ça, c'est quelque chose contre le pacte 1917 qui a été signé entre le Tsar et l'Angleterre, que le Perse et l'Empire de Perse ne soit jamais au pouvoir, surtout en Afghanistan. Ça, c'est une idée que nous avons chez notre historien et chez notre philosophe ou politicien en Afghanistan. Et deuxième raison, vous savez qu'en Afghanistan, notre relation, il y a un point de vue de ethnie, ni le commandant Massoud, ni M. Rabbani, l'ancien président de l'Afghanistan, la relation avec les autres pays, les pays internationaux et les pays régionaux, est une relation entre les deux États, est une relation entre les deux peuples. Ce n'était pas une relation que notre peuple, le pays de l'Afghanistan soit obéi dans notre pays ou pour un autre pays. Mais ça, c'est quelque chose que les Angleterres et même pas les Américains ne le veulent pas. Et ce sont des raisons que jusqu'à maintenant, ils n'acceptent pas. La troisième raison, qu'en 1992, après la chute de la Russie, que commandant Massoud était à Charaitar ou à Parvan, vous savez que puis la guerre civile a été éclatée. Pour les Américains, même maintenant, dans leur tête, ils pensent que commandant Massoud ou M. Rabbani étaient une des parts de cette guerre. Donc, c'est trop vite maintenant si on donne le pouvoir pour eux. C'était une des raisons pour laquelle M. Abdullah a accepté l'élection de la fraude en 2014. Il y a quelques autres raisons régionales pour lesquelles nous sommes toujours d'être victimes et ne peuvent pas arriver au pouvoir. Mais à la fin, si je peux bien donner ma conclusion, moi personnellement et la génération de mon âge n'acceptera jamais ni l'un ni l'autre, ni l'idée des États-Unis, ni qu'est-ce que les Américains ou les Angleterres pensent.
Nous nous croyons à ce que Massoud nous a crié, à ce que Massoud nous a laissé, à l'héritage de Massoud que nous avons dans notre main. Il nous en avait dit qu'un peuple bien engagé, un peuple bien croyant pour leur liberté, sera toujours libre, sera toujours dans le développement, et aucun pays étranger ne peut pas faire rien contre un peuple bien engagé. Ça, c'est notre croyance et c'est notre objectif. Et c'était une des phrases qui s'est répétée à plusieurs reprises dans le rassemblement du 9 septembre. Excellent. Massoud, ce n'était pas seulement un combattant. C'était un homme de lettres, de culture et de la civilisation. Chaque soir, quand il voulait dormir, il lisait des poèmes et il lisait des livres, des bouquins. Une fois, quand par Mehrabuddin Mastan, je l'avais envoyé mes livres par lui et par d'autres personnes, j'ai reçu une réponse avec des poèmes, poèmes de Hafez. Jamais je ne pensais pas que ça va être une grande richesse, l'écriture de Ahmad Shah Massoud, puisque moins d'un an après, il est disparu. Et il n'était plus parmi nous. Moi, j'avais l'espoir de le voir encore une fois avec ses habillements de ministre, mais président, comme Babrak Karmal. Mais malheureusement, l'ennemi en jouait plus fort que la liberté. L'ennemi en jouait plus vite que la justice et l'idée de la paix. Et il est parti. Il est parti, mais comme je demandais toujours mes amis afghans, il ne faut pas oublier de renoncer et recommencer. Pas par les pouvoirs politiques, pas par les gens qui sont dans le politique, par votre jeunesse. Vous, que vous êtes les enfants d'Ahmad Shah Massoud, par des milliers actuellement, Massoud existe, vous devez faire une grande bruit dans le monde concernant l'assassinat d'Ahmad Shah Massoud. Et vous devez ramener ces assassins, mais ce qu'ils ont ordonné devant le tribunal international, ça c'est possible. C'est la demande de l'esprit saint d'Ahmad Shah Massoud, de vous, Farid, Ahmad Shah, Farid, et tous vos amis et toutes vos familles, officiellement David Abbasi, Siavash Avesta, vous demande, s'il vous plaît, de faire ça. De faire ça de vos efforts, comme Massoud, et demander la justice pour le sang coulé innocent d'Ahmad Shah Massoud. Absolument. Farid, Ahmad Shah Farid, je vous remercie beaucoup. Chaque fois que vous désirez lancer des messages, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Je vous embrasse toutes et merci. Tous. J'ai vous parmi les centaines de personnes qu'Ahmad Shah Massoud, il est vivant. Il merci est vivant. Beaucoup. Vous dites je à toutes et tous. Je vais juste dire une dernière phrase. Aujourd'hui, j'avais entendu qu'un des terroristes, je ne sais pas encore quelle était l'identité, mais dans le média, j'ai vu qu'il est un jeune homme de la nationalité d'Afghanistan. Je partage toutes mes condoléances avec le peuple français. C'est un acte de terreur, c'est un acte qu'on l'a condamné toujours et on le condamne encore une fois. On est toujours avec le peuple français, on est toujours avec le peuple démocrate français, on est toujours avec l'humanité, avec les valeurs humanitaires. Comme on avait dit l'autre jour, nous avons besoin vraiment, par la solidarité, de votre aide. Venez nous soutenir que nous pourrons combattre contre le terrorisme en Afghanistan tant que
nous pourrons supprimer pas le terrorisme en Afghanistan, ce concert restera toujours une menace pour la région et pour le monde. Merci, M. Abbasi. Mille fois merci pour votre présence dans la soirée de poésie et pour ma invitation de ce soir. Merci, Ahmad Chafarid. Moi aussi, je veux te dire quelque chose. Je veux répondre à ma question que je t'ai posée. Pourquoi vous êtes toujours victime de terrorisme, de l'islam et des musulmans politiques de votre pays, d'Afghanistan? La réponse est ça. Puisque vous n'êtes pas terroriste. Ce sont eux qui sont terroristes. Vous êtes le victime. Par contre, ils ne savent pas que si vous voulez entrer dans les actes qui entrent, même en Afghanistan, je parle d'Afghanistan, vous pouvez être 50 fois plus fort que ces gens-là. Mais vous êtes les enfants de Ahmad Shah Massoud, les enfants de la paix contre les terroristes. Vous êtes prêts d'être tués, mais de ne pas tuer les innocents. Merci Ahmad Shah Farid. Au revoir et bonne soirée. Merci. Au revoir. Voilà, ça c'était Ahmad Shah Farid avec nous pour le souvenir de commandant Ahmad Shah Massoud. 17 ans après sa disparition, c'est le 18e année qui a commencé. Mes chers amis, c'est votre tour qui commence. 08 92 23 95 20. Voilà, on vous écoute. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Farid, bonsoir. Bonsoir, Monsieur David Abbasi. Comment allez-vous? Comment ça va? Bon, ça va. On fait aller. Il y a des hauts et des bas. C'est toujours comme ça. Chouïa, chouïa. Ah oui, c'est toujours comme ça. Ça veut dire chouïa, chouïa. Voilà. Ouais, je voudrais te poser une question, David. Tu m'entends? Oui, Farid. Ouais, moi, je comprends pas là, ce qui se passe là-bas en Afghanistan, parce que je crois que c'est tous des musulmans. Pourquoi ils se bagarrent entre eux comme ça, là? Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il y a des machins, un problème de pouvoir, ou est-ce que c'est un problème religieux? Tu plaisantes encore, Farid, ou non? Non. Oh, tu te moques encore de David? Non, je t'assure que je me moque pas. Non. Alors, déjà, tu es d'origine algérienne? Je comprends pas beaucoup ce qui se passe. Ok, je vais te faire comprendre. Tu es d'origine algérienne? Oui. Combien de musulmans ont tué depuis 1990 à ce jour en Algérie? Beaucoup là-bas.
Oui, oui, c'est à peu près la même chose. Alors, ils sont tués par qui? Par les musulmans ou par les étrangers? Par défaut, c'est pas des musulmans, ça, c'est pas des musulmans. Ah, toi, tu dis que c'est pas musulmans, c'est pas les Algériens, c'est des Algériens qui tuent les Algériens. Ah, mais ouais. Après Madani, après Abbasi Madani et toutes ces histoires-là. En Syrie, on est en train de massacrer les gens, non, massacré. C'était par qui? En Yémen, en Arabie Saoudite, vous n'entendez pas. Mais en Arabie Saoudite, toujours attends. En Syrie, je crois que c'est pas tout à fait pareil. Hein. Bah, c'est les musulmans qui ont tué les musulmans. En Irak, c'est la même chose. En Irak, ouais, mais... même aujourd'hui, attends. C'est les musulmans qui sont en train de tuer des musulmans. Oui, mais je crois que, bon, déjà, dans une même famille, des fois, il y a des divergences, il y a des bagarres, même dans la même famille. Le problème, c'est que les étrangers sont pas innocents dans l'affaire, parce que j'ai remarqué qu'en Syrie, dès qu'il y a eu la révolte, en espace de 10-15 jours à mois, ils étaient armés jusqu'aux dents, l'opposition. Et ils n'ont pas été armés comme ça par hasard. Donc je crois que c'était un peu calculé et aidé par l'étranger. Même si Bachar al-Assad, c'est un dictateur, comme dans tous les pays arabes, hein, tous sans exception, arabes et musulmans, c'est malheureux. Mais je crois que les étrangers, les multinationales, les intérêts peut-être privés et financiers, des occidentaux, ne sont pas pour rien dans les problèmes pour activer. Il y a des divergences, mais il y en a qui activent pour aggraver les situations, pour qu'il n'y ait pas de paix, justement, qu'il n'y ait pas d'entente. C'est ce qu'ils ont voulu faire en Tunisie, ce qu'ils ont voulu faire un peu partout. Mais particulièrement en Syrie, parce que je crois que c'est un endroit stratégique pour la géopolitique. La géopolitique occidentale. Et d'Israël aussi, bien entendu, et de l'Arabie Saoudite. Je crois que là-bas, dans cette région-là, le nœud, c'est l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis. Voilà les trois personnes qui n'ont pas intérêt à ce que les musulmans soient en démocratie et en paix. Parce que ça ne va pas arranger leurs affaires de business. Tu es d'accord avec moi ou pas? Alors, si je veux te répondre, tu veux me quitter, ça va pas. Mais si tu restes, je veux te répondre. Une question, Farid. Si, soi-disant, tu as une femme très très belle, très charmante, et quand tu n'es pas chez toi, un étranger, il vient, il parle avec ta femme, et il va le promettre des choses, ou non, oui ou non. Et le soir, tu viens, ta femme prend le couteau contre toi. Ici, l'imbécilité, ça vient d'où? De la part de l'étranger qui est venu chez toi ou de la famille qui n'est pas bien organisée, qui n'est pas bien éduquée, qui tout de suite, avec des propos, on peut tourner la tête et on va lui donner les pistolets. Il a commencé à tuer ses compatriotes syriens, ses compatriotes irakiens. Après, on dit, c'est très facile de dire que c'est américain. Mais il faut être intelligent de ne pas tomber dans le piège. Pourquoi les Israéliens n'ont jamais tombé dans ce piège-là? Ça fait plus de 70 ans qu'ils règnent en Israël, en petite province. Et tout c'est tout petit. Mais personne n'a pas pu entrer chez eux et créer des conflits. Mais pourquoi il arrive de le faire chez le musulman? Parce que c'est l'islam. Et sinon, c'est quoi? Je te pose la question, c'est quoi? Mais tu sais qu'on a étudié la mentalité des sociétés et on arrive à corrompre facilement les individus. Et les gens sont faibles. Pas les individus, les musulmans. Oui, beaucoup de musulmans, les gouvernants des pays musulmans, souvent, ce sont des gens qui se font acheter. C'est ça le problème. Et c'est le peuple qui paye, qui se bagarre entre eux, alors qu'ils ont la même religion, la même langue, la même culture. Donc il y a un diable dans cette affaire quand même. Il y a un diable. Il y a des ignorants
Et il y a un diable qui est malin, qui arrive à les faire se battre entre eux. Tu crois pas, non? Non, moi je pense. Le diable fait son travail parce que s'il est autorisé par Allah, Allah il a autorisé d'entrer dans le cœur des musulmans et de tourner la tête pour les ramener en enfer. C'est Allah qui l'a autorisé. Encore, c'est à cause d'Allah. C'est à cause de l'islam. À cause de l'islam. Les musulmans, regarde, ils sont les plus gentils. Hein. Ils sont très très gentils, hein, musulmans. Pour connaître un musulman, il suffit d'aller dans n'importe quel marché. Par exemple, tu vas acheter quelque chose, ça coûte 11 euros. Il te dit, ah, je n'ai pas que 10 euros. Il te dit, c'est pas grave, donne-moi, il te donne. Tu as 4 valises à porter. Un musulman, il te voit dans le métro. Ah, oh, madame, vous voulez que je vous aide? Il va t'aider. Ils sont très gentils. Mais c'est quoi qui cause le problème, qui crée la guerre, qui crée le problème? C'est l'idéologie. C'est l'idéologie, c'est le imam, c'est le mufti qui vient tourner la tête de l'individu. Et comme tu viens de dire, les dirigeants mercenaires, ils tournent la tête des gens. Et les gens, c'est à cause de cette idéologie qu'ils ont dans leur tête, ils tombent dans le piège. C'est pour ça que depuis 14 siècles, les musulmans ils sont en train de se tuer. Depuis 14 siècles, il y avait des guerres internes chez les autres religieux. Mais ça s'est terminé rapidement. Protestants, les catholiques, ils vont contre les protestants, mais c'est terminé maintenant. Et à droite, à gauche. Mais parmi les musulmans, ça fait 14 siècles que ça existe. Regarde, même tout à l'heure en Afghanistan, il dit que ça existe. Et même aujourd'hui, ici, maintenant, on est en train de parler, c'est les musulmans qui sont tués par les musulmans. C'est l'idéologie Farid. Il faut nettoyer et il faut réformer, on dit, voilà. Cette idéologie, c'est l'idéologie. Ce n'est pas l'individu, toi, tu es très gentil. Tous les musulmans sont très gentils, très humains. Mais c'est l'idéologie qui fabrique des mauvaises personnalités. Attends. Allô, allô. Yes, allô. Yes, yes. You are here, we are here, yes. Tu m'entends? Of course, allô? Of course. Oui, Farid, oui, oui, oui. Oui, alors moi je vais te dire un truc, parce que là il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas l'islam le problème, ce sont les musulmans, quelques musulmans. Par exemple, si tu prends actuellement dans la chrétienté, la pédophilie. La pédophilie, est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont pédophiles? Non. Il y a des brebis galeuses, des gens faibles, et c'est là que le diable il arrive à jouer. Tu comprends? Moi, je critique pas les chrétiens, je critique pas les juifs, je critique pas les musulmans, l'islam, je critique pas la chrétienté, je critique pas le judaïsme. Je critique les hommes. Ce n'est pas la chrétienté ou le judaïsme ou l'islam qui est mauvais. Ce sont les hommes qui détournent le message pour des fins de propres, c'est-à-dire soit financiers, soit, comme tu dis, d'interprétation à leur profit. Donc le diable, il arrive à se mettre dans la faiblesse des hommes pour jouer, et justement, ça profite à qui? À qui profitent tous ces crimes? À qui ça profite? Est-ce que tu crois que le peuple afghan ou le peuple syrien, est-ce qu'il est gagnant? Tous ont perdu. Tous, il y a eu des morts, des drames, des meurtres, des saloperies, de la misère, de la souffrance. Donc, qui c'est qui est gagnant dans cette affaire? Ce sont que les marchands d'armes et les businessmen, de tout poil, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs d'ailleurs. Donc le diable, il est là, il joue avec tout ça. Ce n'est pas ni la chrétienté, ni le judaïsme, ni l'islam qui est mauvais. Ce sont les hommes qui sont faibles et qui se font avoir parce que le diable, il est plus malin que tous. Voilà le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Merci Farid. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, ça c'était Farid sur 95 FM. Vous aussi, vous avez la parole, mes chers amis. Vous pouvez intervenir, poser vos questions et vous exprimer. Mais Farid, s'il te plaît, tu es tellement intelligent de comprendre ça. Je vais le comprendre à partir de maintenant. Une tête fait par les pensées. L'individu, un homme, il est formé par ses pensées. C'est les pensées qui fabriquent un homme. Gentil, méchant, violent, adorable. Alors quand ton idéologie est malade,
tu viens malade. Et bien sûr, toutes les gens n'ont pas la même idéologie, comme toutes les gens n'ont pas le même langue, même dialecte, même espoir, même rêve. Ce n'est pas pareil. Pour ça, c'est l'idéologie qui fabrique l'individu. L'idéologie. Bonsoir, c'est qui? Oui, c'est Bachir. Monsieur Bachir, bonsoir. Comment allez-vous? Ben, ça va. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Bachir? L'homme, il est fabriqué par rapport à ce qu'il a dans sa tête, ou c'est lui qui va fabriquer sa tête? Ce qu'on met dans sa tête, c'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Bachir? On vous écoute. Oui, alors effectivement, la fragilité, elle est un peu partout. C'est-à-dire, il y a aussi dans... Monsieur Bachir. Allô? Vous, oui, vous devez parler toujours très fort. N'oubliez, oui, pas pardon, ça, s'il vous plaît. Allez. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la fragilité, elle est un petit peu partout. Enfin, la fragilité de l'homme... Mais aussi la fragilité des tests qui amène à des différentes interprétations. Et c'est vrai que les différentes interprétations amènent à des divisions. Et ces divisions-là qui sont très difficiles à résoudre. Enfin, c'est ce qui génère ces problèmes. Et de cette fragilité aussi humaine dans ses sens, ses humeurs, et justement bon, quelque part il y a des gens qui vont profiter de cette fragilité pour amener à un désordre, à amplifier les divisions, et c'est pour cela que on le voit, la division a été faite dès le début. Hein. Vous voyez, il y a l'islam de Médine et de la Mecque, un premier temps. Donc, on a parlé aujourd'hui, on parle de l'islam de France, bon, pour montrer un islam très très modéré. D'ailleurs, il y a eu un islam d'Espagne, qui était d'une richesse culturelle. Il y a eu au tout début d'autres islams qui ont permis à des pays de grandir, de s'enrichir culturellement et peut-être aussi économiquement. C'est cette fragilité dans les interprétations et à la fois les fragilités humaines qui font que il y a ce désordre, et bien sûr je me répète, hein, les nantis financiers, bon, peut-être comme dit Farid, sont là pour essayer de titiller ces peuples pour pouvoir essayer la division, créer la division, et après pouvoir profiter des ressources pétrolières, minières, enfin, ou autres, je sais pas. Mais il faut revoir par rapport au test coranique, voir quels sont les éléments qui génèrent ces divisions, parce que c'est à partir de ces divisions, et si les grands représentants d'islam peuvent faire ce travail-là, donc... surtout d'envoyer les messages qui seraient un islam, parce que bon, beaucoup de messages qui sont là pour justement aider par les prières à créer des réconciliations quand il y a des conflits, plutôt que d'amplifier le conflit, parce que c'est un Dieu miséricordieux, clément, ne peut pas appeler au meurtre. Et s'il y a une punition divine, c'est quand la personne meurt, son âme, c'est là qu'est le jugement. C'est pas aux hommes sur terre qui doivent juger
les hommes parce que un tel a bu du vin ou mangé du cochon, quoi. Donc c'est là-haut qui sera, et à mon avis, il sera pas punible pour ces deux choses-là. C'est par rapport à justement par rapport au meurtre, par rapport aux souffrances générées sur autrui que Allah va juger ces hommes. Voilà. Enfin, c'était. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'était cette division, donc. Cette fragilité qui amène justement. Merci. Mais qu'est-ce que tu penses au sujet de ce que M. Ahmad Shah Farid il vient de nous dire au sujet de l'Afghanistan et Ahmad Shah Massoud, et surtout ce que Imam Hassan il nous a dit au sujet de la réforme dans l'islam? C'est très important, intéressant. Un imam, il vient de nous dire ça. Que pensez-vous à ce sujet? Ben justement, j'ai pas tout entendu parce que j'ai. Écoutez, enfin, je vers la fin de, mais j'ai pas tout saisi par rapport à ce qu'il avait dit. Il parlait quand j'étais intervenu, il parlait de par rapport à l'Afghanistan, par rapport à la France. Non, j'ai pas entendu. Voilà, ben je peux pas vous répondre pour cette question-là. Parce que merci Bachir, merci beaucoup. Ça y est, tu as dit tout ce que tu as voulu dire, c'est bon? Oui, voilà, c'est surtout ma vision, mon point de vue. Hein. J'espère que d'autres... Cet rapport sur l'islam, est-ce que tu as entendu le rapport sur l'islam qu'on a donné, proposé à président Macron, Institut ouais. Montaigne, Hakim Al-Gharavi, tu n'es pas encore au courant? Non, Ah, c'est dommage que tu vas apprendre. Au départ, non plus, tu ne nous as pas écouté, alors. Non, je ne sais pas. D'accord. Va faire des grandes bruits de demain, cette histoire de Hakim Al-Gharavi. Puisque beaucoup de personnalités ont été consultées à ce sujet pour l'islam de France. Et ce projet qui vient de sortir pour l'islam de France, ce n'est pas encore satisfaisant selon certains laïcs et islamologues laïcs. Pourquoi? Puisque il y a certains points qu'il faut revoir, Farid. Alors bon, c'est vrai que Bachir. L'islam de France... Comme on dit, c'est surtout pour apaiser la France. Alors, mais faudrait-il peut-être un islam d'Allemagne? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'islam de certains pays dans les pays de slam, pays de l'Est. Donc, faudrait-il pour chaque pays un islam qui correspondrait au pays? C'est ça, quoi. Alors que ça va être compliqué si on va faire ça. Ça va être très compliqué de mettre en place une interprétation universelle de l'islam, parce que sinon on s'en sort plus. On crée des divisions à chaque fois et c'est pas possible. Mais un islam pour chaque pays musulman, ça va être tellement compliqué, hein, Bachir. Ben oui, c'est pour ça. Si ça commence par l'islam de France, après il faudra faire l'islam d'Italie, l'islam d'Allemagne. Non, on parle des pays qui ne sont pas d'origine musulmane. C'est-à-dire, si un islam de France est bien adapté en France, les autres pays européens, avec la culture judéo-chrétienne, ils vont l'adapter. Oui, il y a l'Espagne, bon, à l'époque, Cordoue, quoi. C'est terminé, enfin, pour l'Espagne. Il n'y a plus de musulmans, enfin. Bon, ben, je sais plus quoi te dire. Moi, je vous laisse. Hein. Merci, Bachir. Bonsoiré. C'était Bachir sur 95.2 FM. Mes chers amis, profitez, puisque je suis là encore quelques minutes. Mais l'antenne va continuer jusqu'à 7h du matin. Cette radio qui vous donne la parole depuis presque, on va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas, de 40 ans. Grâce à qui? Grâce à mon ami de plus de 30 ans. C'est qui? C'est Didier Doplech.
Didier Doplège, qui a consacré sa vie pour dispatcher ce message de la liberté, de l'expression. Vous avez la parole. Vous savez, actuellement, beaucoup de gens n'écoutent pas. N'écoutent pas. Mais par contre, cette radio vous donne la parole. Vous avez la parole. On vous écoute. Ça, c'était depuis des années. Depuis la création de ce jour-là, on vous écoutait. Didier Doplège, merci beaucoup, mon cher ami. Mes chers amis, dans ce rapport qu'ont donné le président Macron, il y en a une chose que je suis sûr que certains vont vous gêner avant tout, c'est l'intention qu'on devait porter sur l'enseignement de la langue arabe plus de ce qu'il y en a maintenant, pour rien de tout. C'est-à-dire, jusque maintenant, moi-même que je maîtrise bien 4-5 langues, y compris la langue arabe, et je donnais beaucoup de cours de la langue arabe gratuitement. Gratuit. Vous savez, la moitié de ma vie, j'ai travaillé gratuitement. Gratuitement. Je n'ai pas, vous, depuis des années, depuis, ça fait 40 ans que je suis en France. Voilà, la surprise. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. J'avais 20 ans quand j'ai sorti. Et ça fait 40 ans que je suis là. Jamais je peux vous, les gens, de se plaigner pour apprendre la langue arabe. C'est-à-dire, Mr. Hakim Al-Gharawi, il n'a pas bien étudié quand il insiste sur ce sujet-là. Puisque la langue littéraire arabe, littéraire, c'est autre chose. C'est la langue de poésie. C'est la langue de lire les anciens livres d'histoire. Le peuple d'aujourd'hui, il veut parler. Par exemple, ce que tout à l'heure notre ami il a dit, un islam pour chaque pays, je vous assure, moi j'ai voyagé partout. Tous les pays arabes aussi, presque, j'ai visité. Chaque pays arabe, il a un dialecte différent avec son voisin. La langue arabe exercée en Maroc, ce n'est pas la même chose avec les Tunisiens. La langue tunisienne, ce n'est pas la même chose avec celle d'Algérien. J'ai dit tout à l'heure, et tous les autres pays. Pour ça, quelqu'un, quand il commence à parler, tout de suite, moi, David Abbassi, je peux savoir il vient de quel pays. Et moi-même, parmi toutes les langues arabes, j'aime beaucoup la langue libanais et syrien. Et tout le monde sont comme moi. Mais à part qu'une grande partie aime beaucoup la langue égyptienne. Puisque la langue égyptienne, c'est la langue du cinéma, de la musique. Mais encore une fois, la musique libanais et syrien, c'est autre chose, mes chers amis. Pour ça, compatriotes français ne vont pas être d'accord de financer la langue arabe plus de ce qu'il y en a dans les services d'éducation nationale et dans les universités. Parce que dans les universités, il y en a Langzo, il y a beaucoup d'autres universités pour apprendre la langue arabe. Pas de problème. Et toujours il y a des places. Toujours il y a des places. Jamais on ne vous refuse pas en France aucune faculté, université pour aller apprendre la langue arabe. Alors, pourquoi Hakim il a mis ça? Puisqu'il y a une grande partie des Français, ils vont pas être d'accord. Ils vont se rappeler de l'histoire que les grands capitalistes de l'époque, à l'époque que les pays, une partie des pays arabes, arabophones enfin, surtout Nord d'Afrique, étaient colonisés par la France, ils ont ramené les gens ici
pour travailler, travailler dur et difficile. Ils sont venus, ils se sont installés à droite, à gauche. Maintenant, c'est vrai, moi, je vois, puisque moi, vous savez, je marche dans la roue. Je marche dans la roue. Je vois quand on voit trop de niqab, burqa, chador, les belles filles qui portent le voile, et il ne sait pas que ce n'est pas pour le Dieu. Le Dieu n'a pas besoin de toi, ni de tes cheveux. Mais par contre, et ça, ce n'est pas la liberté. On dit, oh, nous sommes libres de porter ce qu'on veut. Non. Vous donnez l'image de la France laïque, l'image de la beauté de la France, ce n'est pas le signe distinctif religieux. Ce que Chirac voulait faire face à ça, on ne l'a pas laissé. Pourtant, il a passé certaines lois, mais on ne l'a pas laissé. Chirac, il n'a pas réussi. Maintenant, on dit, c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté, ma fille. Ma fille, Dieu, il n'a pas besoin que tu portes le voile dans la chaleur de 25-30 degrés, quelque chose sous ta tête, ta beauté. C'est le Dieu qui a donné, comme les hommes. Tu n'es pas obligé d'être différent qu'un homme. Bonsoir, c'est qui? Allô? Oui, allô, bonsoir. C'est Charles. Bonsoir, Charles. Comment allez-vous? Vous êtes en direct. Dehors. Vous êtes en ligne. On vous écoute, Charles. Les Arabes dehors. Non, non. Écoute. Écoute, Charles. Ah, je te prends en direct. Tu dis ça. Ça, c'est pas beau. Ce que David, il dit, c'est autre chose. Mais ça, c'est pas beau. Qu'est-ce que ça veut dire, les Arabes dehors? Ils sont chez eux, ici. Les Arabes et les Français arabophones sont chez eux. Mais il doit s'adapter avec la société française et la civilisation judéo-chrétienne laïque. La France est un pays laïque. La France est le seul pays en Europe qui, dans la Constitution, c'est marqué État laïque. Cette précision n'est pas dans la Constitution germanique, britannique, suisse, belgique, suédois. C'est seulement dans la constitution française. C'est marqué l'État laïque. Dans un État laïque, de n'importe quelle façon que vous voulez islamiser la société, que vous voulez politiser la religion musulmane, doit être interdit. Ce que Chirac il a voulu le faire, on ne l'a pas laissé. Pourquoi? Puisque l'argent de pétrole est très fort, et vous ne le savez pas, David, il vous a dit, et il répète, l'islam, il a un slogan. C'est un slogan que tous les musulmans il croit à cet slogan. C'est quoi cet slogan? Écoutez bien, on ne vous dit pas, mais David Abbasi va vous dire. Le slogan de l'islam, et tous les musulmans y croient de n'importe quelle tendance. Al-Islam ya'lou. Voilà, ya'lou alay. N'importe comment que vous voulez le traduire, c'est-à-dire c'est l'islam qui va gagner et conquérir le monde, et rien ne va pas être au-dessus de l'islam. C'est-à-dire l'islam va être au-dessus de tout dans le monde. C'est ça l'idée. Mais vous ne comprenez pas. Et les politiques sont là pour garder d'un côté une majorité. Les intérêts des capitalistes, des banquiers, des patrons,
Et il ne comprend pas qu'il joue contre la République. Avez-vous entendu aujourd'hui? Il y avait les gens qui ont allé manifester dans une banque. Ils ont dit cette banque est la plus sale banque de la France et du monde, puisqu'ils financent la saleté pour notre monde, notre cosmos. C'était quoi cette banque? Société Générale. Société Générale. Quand ils ne pensent pas à la santé du peuple, que leurs enfants sont parmi, leurs familles sont parmi, ils ne pensent qu'à l'argent. Alors pour l'islamisation des sociétés, non plus ils n'en pensent pas. Ils ne pensent pas, ils avancent. L'islamisation de pays, c'est le voile partout. C'est décidé chez le think tank arabo-musulman. J'ai envoyé un reportage il y a déjà quelques mois. Cet reportage a été diffusé sur une chaîne de télévision française. Il y a des business plans pour conquérir le monde. Et nous, nous allons dormir. Et on va dire, on va élargir l'apprentissage de la langue française. Et l'islam de France, comment va être? Et les mosquées, comment on va les faire? De toute façon, chaque pays, on doit respecter les règles. Si vous voulez aller en Arabie Saoudite, vous êtes obligé de porter une sorte de vêtement là-bas. En Iran aussi, c'est la même chose. On ne vous laisse pas d'entrer dans son voile. Alors, si vous voulez entrer en France aussi, la laïcité, et il n'y a pas de distinction religieuse. Pourquoi on va forcer les enfants, les filles, de porter le voile dans cette chaleur? Moi, je porte une petite veste. J'ai mal. J'ai chaud. Et les enfants de 10 ans, 12 ans, 14 ans, 18 ans. Vous avez la parole, hein? Vous pouvez venir là, ici, maintenant, et vous exprimer. Et on va vous écouter, on va vous donner la parole aussi, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici-et-maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abbassi a reçu sur l'antenne d'Ici et Maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. France-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Thank you.
Alors, vos appels hors antenne, ça me fait grand plaisir, grande joie. Je vous remercie beaucoup, mais je préfère que vous parliez sur l'antenne, à l'antenne, comme si tout le monde va vous entendre. Mais dites des choses que vous voulez dire, hein, des informations, des questions, des choses comme ça. Nous, on est fiers d'être à votre service, moi, personnellement. Et voilà, pas de problème. Et j'étais ravi, moi aussi, ce soir, de recevoir quelqu'un qui gère une grande association, un mosquée, qui pense comme nous, et il a le courage de dire qu'il faut réformer l'islam, il faut abandonner une partie du Coran. Ah, ça, c'est courageux. Beaucoup de gens ont été assassinés à cause de ces paroles-là. Par exemple, Ahmed Shah Massoud, le commandant Massoud, on a parlé de lui avec Ahmed Shah Farid. À l'époque, il disait, David, je suis d'accord 100% avec tes idées, mais malheureusement, je suis entouré d'un peuple qu'avant de commencer à réfléchir, nous devons commencer à obtenir la liberté. Et il avait raison. Et il avait raison. Et à la fin, il était tellement gentil qu'il était victime de cette gentillesse quand les assassins, qui étaient d'origine africaine, de tendance islam politique, fanatique, intégriste, ont entré et lui gentiment les avait reçus. Un grand héros est tombé. Pourquoi? Puisqu'on est en train de préparer tout ce que vous avez pu voir après. Et tout ça, je vous dis toujours, soyez sûr et certain. Soyez sûr et certain, David Abbasi vous dit ça, mes chers amis. C'est le capitalisme qui fait ça. Ce n'est pas l'individu que vous le connaissez, tel président, tel... Non, c'est l'argent. C'est le pétrodollar. Le pouvoir de l'argent. Quand vous avez pu l'étouffer, c'est là que la liberté et l'homme libre va commencer. Jusqu'où il y a le pouvoir de l'argent dans le monde, n'importe qui vienne, s'il veut faire quelque chose, on ne va pas le laisser de faire. Chaque jour, on va créer énorme piège devant lui, problème devant lui. Avant qu'il va commencer à faire quelque chose, il doit régler ça. Je vous donne un petit exemple. C'est quoi cet exemple? Mes émissions, ici et maintenant. Par exemple, de temps en temps, je vois quelqu'un, il vient juste de... Pas maintenant, à l'époque, c'était trop... Ils viennent juste au départ de l'émission dire quelque chose pour tourner le bout de notre émission vers les idées que lui, il veut. Et nous, on est perdus. Pendant 2 heures, 1 heure, on est perdus. Heureusement, ce soir, Bruno n'était pas à l'écoute. Sinon, Bruno, il aurait intervenu encore. Avec plaisir, Bruno. Hein? Je pensais que tu vas venir répondre à Fred, mais tu dormais ce soir. Mais avec la gentillesse. On peut être contre les idées, mais être pour la liberté de l'expression. Vous savez, Voltaire, il a dit quelque chose que moi, je l'avais appris de mon père. Quand j'avais 10 ans, 9 ans, je ne connaissais pas encore Voltaire. Et mon père, il disait, papa, écoute, la liberté, tu sais, c'est quoi? C'est l'autre qui pense contre toi. C'est ça, la liberté. Ce n'est pas toi, liberté pour toi. Pour toi et pour lui. Lui qui est contre toi. Tu dois le laisser parler. Imaginez-vous que je tombe dans l'école de Didier Depleuge, et ici aussi. Alors, moi, je vous ai dit déjà, une cinquantaine de télévisions perses situées aux États-Unis, tous les télévisions, ils sont devenus radio ici maintenant. Allô, oui, bonjour, on vous écoute. Les gens qui ont la parole, qui parlent. Alors, à toutes les princesses qui nous écoutent, ou peut-être nous regardent, à toutes les princes, à tous nos amis, je vous dis merci d'être avec nous.
c'est l'islam politique qui fabrique l'individu dangereux. L'individu est innocent. Moi, c'est mon idée et je le tiens depuis des siècles, depuis les Abbasides, 500 ans de pouvoir, avec la création de Mille et Une Nuits, histoire de Shahrazade, et vous avez France Terre d'Asile, à l'époque c'était Bagdad Terre d'Asile. Je veux vous dire, c'est l'idéologie qui peut fabriquer un homme bien, un homme mal. C'est l'idéologie. Ça dépend de l'idée que tu donnes aux gens, c'est quoi? Si l'idée est diabolique, l'individu devient diable. L'idée c'est divine, et tu deviens divine. Et l'idée, si c'est violent, tu deviens violent. L'idée, c'est, si c'est la paix, c'est la paix qui va t'installer. Mes chers amis, je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Permettez-moi de vous laisser. Mais les émissions de la radio ici, maintenant, ça va continuer. Restez à l'écoute et vous allez voir c'est quoi la suite. C'est très intéressant. Thank you very much. Goodbye. Merci. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm.